Peut-on manger de la pâtée pour chat ou risque-t-on de tomber malade? Vous allez me répondre « dégueu !» Mais est-ce que ce n'est pas purement psychologique? Une pâtée de qualité sera composée uniquement de viande et produits d'origine animale, avec parfois quelques légumes et aromates. Pas de différence donc avec le pâté de mamie. Ouais, mais c'est des sous-produits animaux. Est-ce que ça veut dire que ce sont des carcasses utilisées, impropres à la consommation humaine? Pas du tout. Sous-produit animal est uniquement un terme légal obligatoire. Même un beau filet de poulet deviendra un sous-produit animal à partir du moment où il sera destiné à la fabrication de nourriture pour chat ou pour chien. Mais de base, tous les aliments utilisés proviennent des mêmes circuits et abattoirs que ceux de notre propre alimentation. Après, concernant la qualité, ça dépendra bien sûr de ce qui est utilisé et en quelle quantité. N'oubliez pas non plus que les pâtés sont stérilisés pour assurer leur conservation. Vous ne tomberez donc pas malade. Par contre, niveau goût, mais ça peut toujours vous être utile en cas d'attaque zombie.